Salut les futurs héros. Une aventure, c'est une route à parcourir. C'est-à-dire d'être dans une logique de progression permanente. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut valoriser plus ses actions que nos résultats. Parce que voilà, c'est là l'aspect essentiel si vous souhaitez, si vous souhaitez vivre une belle aventure, c'est vraiment de te concentrer sur tes actions que tu mets en place, de te juger plutôt sur tes actions que sur le résultat que tu peux avoir. Parce que honnêtement, voilà, personnellement, en tout cas, en ce qui me concerne, voilà, les résultats, c'est quelque chose que je tiens de moins en moins compte parce que c'est quelque chose qui n'est pas de mon ressort et qui est dépendant, quoi, en fait, du jugement des autres, quoi, en fait. Comme par exemple cette vidéo que je suis en train de tourner, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont totalement adorer cette vidéo et d'autres totalement. La, comment dire, la trouver inutile. Et donc voilà, c'est vraiment pas une bonne stratégie de se juger par rapport à nos résultats parce que voilà, ceci c'est parce que voilà, c'est inhérent de notre inhérent. Je sais pas. Un des deux. De notre aventure. Et donc voilà, ma philosophie est bien claire. Et ma philosophie 1, 2, 3, ma philosophie est bien claire à ce sujet. C'est que voilà, je m'accomplis un pas à la fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je fais un pas vers mon rêve chaque jour, c'est ok, je suis satisfait. Voilà, il n'y a pas. Voilà, il y a. Voilà, je mets en dehors tout désir de vouloir performer à outre mesure comme ça. C'est pas du tout. En tout cas, ce qui me concerne, ça me dessert, quoi, en fait. Ça me met une pression négative. La deuxième chose aussi essentielle, c'est de se libérer de nos peurs. Notamment la peur de l'échec ou la peur de ne pas se sentir à la hauteur, parce que voilà, c'est en tout cas c'est les deux types de peurs que je ressens, que je connais très bien, que je ressens le plus régulièrement. Et donc voilà, c'est normal d'échouer, c'est complètement normal, et même c'est vraiment, comment dire, bénéfique d'échouer, quoi, en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est qu'on a vraiment une perception de l'échec qui est fausse, quoi, en fait, qu'on a une perception de l'échec qui dit que c'est une fatalité, alors que c'est pas du tout une fatalité, mais juste justement une expérience qui va nous servir pour avancer. Et pareil pour le sentiment pareil pour le sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. C'est vraiment. C'est normal au départ de se sentir, voilà. Pas confiant, pas de taille, quoi. En fait, on a des moments de doute comme ça, c'est normal. Mais voilà. Mais que voilà, que le principal, c'est de continuer. Voilà, c'est que ça ne t'empêche pas d'agir. Voilà, tu y vas, t'as peur et tout ça, mais voilà, t'essaies vraiment d'en prendre conscience, mais de pas te focaliser sur ça. Le progrès est la clé de ton succès. Continue à continuer. Aie confiance en ton aventure. Et tout arrivera
bon moment. Allez, voilà, sur ce, c'est tout pour moi aujourd'hui, et je te dis à la prochaine. Prends-toi et en tes rêves. Bye bye.